Eh bien bonjour et bienvenue sur la chaîne Tuto. Donc aujourd'hui nous allons voir comment nettoyer les vitres sur les portes de four à triple épaisseur. Donc nous travaillons sur un four Arthur Martin Electrolux, mais c'est à peu près le même principe sur tous les fours. Donc bien sûr vous ouvrez votre porte. Donc là je vous conseille de mettre un petit peu la main ici pour retenir votre porte, parce qu'en fait le principe c'est que les vitres sont sur ressort. Voyez, donc là vous exercez une pression vers l'arrière et vous soulevez votre première vitre. Vous voyez, il n'y a vraiment pas de difficulté particulière. Pour la deuxième vitre, c'est à peu près le même principe, donc toujours pareil, celle-ci est légèrement toujours un peu plus dure. Là, vous maintenez en arrière et vous la remontez. Voilà, donc là, attention, c'est qu'une fois qu'il n'y a plus les vitres, la porte remonte toute seule. Les ressorts, il n'y a plus de poids et les ressorts sont moins retenus. Voilà, donc maintenant, je vais nettoyer mes vitres et on se retrouve après. Donc, maintenant que nos vitres sont toutes propres, nous allons pouvoir les remettre à l'intérieur. Alors, en fait, le principe, on refait ce qu'on a fait tout à l'heure, mais en sens inverse. Donc, nous glissons la vitre sous la petite règle métallique. Et en appuyant, on vient se mettre dans les encoches. Voilà, vous voyez, on a vu la vitre qui a avancé, elle s'est bien mise en place. Maintenant, je vais mettre la deuxième vitre. Donc là, elle vient se positionner sous les deux ergots en plastique. Je l'appuie et je la glisse. Voilà, vous voyez, c'est pas très compliqué. Voilà, donc si le tuto vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Au revoir.